bitch wet. We've been going hard for too long. Can't get enough for the shoe on. Déjà, est-ce que vous vous souvenez de la base qu'on a construite dans les trois derniers épisodes de Paladin ? On va y aller. Tada ! Alors, bon, je sais pas exactement. Vas-y, ouvre ta gueule ! Ouvre ta gueule ! Vas-y, je te... Vas-y ! Alors, entends-moi, votre grande gueule ! Hein ? Eh bien salut tout le monde, c'est Sandra, comment allez-vous? Moi ça va super. Et aujourd'hui je vais vous expliquer un bug pour tout simplement up son level mineur très facilement. C'est même une technique interdite. Alors je vous sors cette vidéo grâce au nombre de likes obtenus sur ma dernière vidéo qui est quand même assez énorme. Quasi près de 600 likes alors que j'avais demandé 300 likes. Franchement vous êtes énormes les gars, merci à vous. En parlant de ma dernière vidéo, beaucoup de gens m'ont dit ouais c'est pas sa base ça, c'est des petites putaclic. Je n'ai jamais dit que c'était sa base. Oui dans la vidéo j'ai dit que c'était sa base parce que pour moi on m'avait dit que c'était sa base, donc bah je le croyais. Mais en fait en faisant le montage bah j'avais remarqué bah que c'était pas, ça ressemblait pas beaucoup à sa base vu les screens qu'il m'avait envoyé. Mais bon voilà, de toute façon on verra bien dans la vidéo. Normalement au moment où je tente ces vidéos là, Fuse n'a toujours pas sorti sa vidéo, c'est à dire que je ne sais pas encore la réponse de Fuse. Et en plus j'avais essayé de contacter Fuse sur Twitter, comme vous pouvez voir le tweet. Ouais je lui ai dit est-ce que ta base sur Gaïa s'était fait piller, voilà, pour savoir si je peux changer le titre de ma vidéo. Bien sûr je l'ai changé parce qu'au départ j'ai dit que je pille la base de Fuse, je l'ai changé en je pille une base qui ressemble à celle de Fuse ou un truc comme ça. Donc ça j'ai quand même changé le titre, mais on verra bien aujourd'hui si c'était sa base ou pas. Aujourd'hui l'objectif like est de 275, voilà, parce que les 300 likes c'était juste pour cette vidéo parce qu'elle est quand même assez énorme le bug, parce que pas beaucoup de monde le connaît, parce que de toute façon heureusement parce qu'il est vraiment ultra cheaté, encore plus cheaté que la machine de Flows, voilà, qu'il a fait pour monter le mineur qui est quand même pas mal cheaté aussi. Donc voilà, l'objectif like est de 275, donc à vous deux. Bon on va tout de suite passer par la vidéo. Bien sûr j'ai un home normalement qui est un home mur, voilà, juste ici, voilà, je suis TP au mur, alors je sais pas du tout s'il a été réparé ou pas,
Tout simplement, en fait, ce mur, en fait, il est wallguard par le spawn. C'est tout simplement, normalement, il y a une partie où quand on mine, on gagne 2 XP. C'est-à-dire que là, normalement, on est en dessous du spawn, je crois. Ah non, en fait, on est dans la warzone. En fait, ici, on est dans la zone, c'est-à-dire qu'on peut se tuer, tout simplement. Voilà, même ici, je crois. Non, ici, c'était wallguard par la warzone. C'est bizarre que ici, ça a été découvert. Là, il y a un trou qui monte à la surface, mais on peut pas poser de bloc pour monter. Donc, en fait, ce mur-là est ultra cheaté. Parce que, regardez, en fait, on peut pas le faire partout. Je vais regarder par ici. Par ici, voilà, bah, regardez, juste en haut, voilà, ça donne 2 XP pour le mineur. Alors, ce mur-là est ultra cheaté, car, en fait, il est wallguard par la warzone, c'est-à-dire qu'on peut pas le détruire. Mais, en fait, si vous restez appuyé, par exemple, et bah, regardez, oula. On s'alague, de toute façon vous restez appuyé. Et tout simplement voilà, c'est vu que c'est wargard par la warzone, bah ça reste. Et bien sûr vous gagnez 2 XP pour votre métier mineur. Bien sûr je vais arrêter de le miner parce que sinon c'est pas du jeu que je le mine. Voilà, sinon ça me ferait augmenter mon level mineur qui est level 7 actuellement. Aujourd'hui on va essayer de passer level 20 farmer, ça va être assez chaud. Mais bon, on va essayer. Voilà, c'est pour ça que là je vais aller sur test pour tout simplement dire au modo que le mur, bah tout simplement on peut l'XP à l'infini tout simplement. Genre vous mettez votre touche par exemple espace voilà pour tout simplement miner. Et bah tout simplement vous restez devant le mur, vous mettez genre votre manette de PS4 entre comme ça sur votre barre espace. Tout simplement ça mine en continu et bien sûr bah vous pouvez monter hyper rapidement le level mineur. Donc on se retrouve sur TS. Et genre tu vois ce mur là, bah, il est wallguard par la warzone. Et si tu le mines, et bah tu gagnes de l'XP pour ton level mineur. Bah moi ça monte pas en fait. Je sais pas. Pourtant sur en haut à droite c'est marqué qu'on gagne de XP. Ouais, en fait je crois pas que ça monte. Ouais non, on gagne pas d'XP en fait. C'est peut-être un bug d'affichage ou quelque chose comme ça. Bah moi j'étais à 1200, je me suis à 1201. Attends, je vais essayer. Je viens de passer à 1202. Bon, ça monte tout à petit, mais ça monte quand même. Est-ce que tu penses que c'est parce que j'ai 6 touch? Tu me passes ta pioche. Ah tiens. Ah ouais, c'est ça, c'est parce que j'ai 6 touch. Ah voilà. Ça, genre, tu vois, ça serait un peu abusé, tu vois, que quelqu'un reste AFK ici avec un wood helmet, comme ça on peut pas le voir et il farme le mur. Ouais. Parce qu'en fait, là, je suis en rec, et en fait, voilà, c'était. Bah, je voulais faire une vidéo pour le bug qui. Un bug interdit, tu vois, qui augmente le XP mineur, genre, hyper rapidement, tu vois. Ouais, bah, en fait. On va attendre de le patch et ensuite tu pourras mettre la vidéo quoi. Ok, bah tu me diras quand il sera patch. Ouais, je vais juste en parler à la modération. Bon voilà les gars, on se retrouve dans la farm. Comme vous avez pu voir, le mur était vraiment cheaté. Bon, aujourd'hui j'ai tenté cette vidéo mercredi, je le upload jeudi tout simplement. Parce qu'il faut attendre que le bug soit fixé. Parce que si je vous sors la vidéo alors que le bug n'est pas fixé, voilà, bon, de toute façon, tant que vous trouvez le mur, bah vous avez encore le temps. Mais on sait jamais si vous le trouvez, vous pourrez quand même l'utiliser. Et bah, moi j'aurai des sanctions par dessus en fait. Donc j'ai envie de limiter mes chances. Alors désolé, non, j'aurais dû sortir une vidéo mercredi, mais je dois vous la sortir jeudi. Ouais, vraiment désolé. Bon, là on se retrouve dans la farm tout simplement. Je vais fermer cet étage. Voilà, je vais fermer le deuxième étage. J'ai juste ce côté avec a été un peu farm, c'est de fermer cet étage là et après je vais peut-être farmer dans la farm dans Zoop tout simplement pour essayer de passer level 20 aujourd'hui car j'espère bien. Niveau monnaie, j'ai essayé de passer à 750 000, normalement je pourrais peut-être aujourd'hui. Je suis à 736 000 en plus en revendant mes pastèques, normalement je devrais être à 750 000 même peut-être un peu plus. Donc les gars c'est parti. Alors tout simplement j'ai tout simplement terminé de miner, bon ça c'est le premier étage, voilà il a pas encore fini de pousser donc je ne vais pas farm dedans. Ça c'est le deuxième étage que je viens juste de miner, voilà juste là-bas, voilà j'ai replanté. Je suis arrivé à un total voilà de 7501 points d'XP pour le level 20 farmer. Je suis pas encore level 20 malheureusement, alors je vais aller farm dans la farm dans Zoo tout simplement parce que celle-là, la farm dans Zoo est carrément plus grande que celle-ci. Bon, celle-ci commence déjà à être pas mal, voilà comme ceci. Commence vraiment à être pas mal, après il faut bien sûr l'augmenter tout en haut. Et si au niveau monnaie, je suis à 757 000 dollars, voilà j'ai enfin atteint mon objectif des 750 000 dollars. J'essaie bientôt d'atteindre l'objectif des 800 000 et après bien sûr, mon objectif c'est bien sûr les 1 million de dollars. Donc on se retrouve sur Anzu. Et en gros, tout le monde, je suis dans la farm de Anzu. Ça faisait très longtemps que j'étais pas revenu sur Anzu. Et dans cette farm, franchement, cette farm, c'est vraiment une des meilleures qu'on a pu faire. Bon, bien sûr, ici, il y a des gens de la faction qui ont pris de la Netherwart. Bon, bien sûr, les stocker dans les doigts, ils ont pas tout pris, je crois. Donc, je vais aller tout simplement farm la pastèque pour tout simplement essayer de passer level 20. C'est peut-être chaud aujourd'hui. Donc, si j'en ai marre et que je vois que je finis pas, je continuerai dans le prochain épisode. Donc, c'est parti. Et on se retrouve. En plus, surtout, en plus, on gagne 3 XP comparé au pomme de terre, on gagne 2.
Donc normalement ça devrait aller plus vite. Alors on se retrouve dès que j'aurai terminé. Et bien écoute, moi j'ai terminé de miner tout, enfin quasi tous les melons. J'ai pas tout miné, voilà, parce qu'il y en avait quand même pas mal. Je suis pas encore level 20, je suis encore level 19 à 7944 XP. Voilà, c'est pas si mal que ça. Niveau monnaie, je suis pas mal aussi. Je suis à 800 000 $. Voilà, comme j'ai revendu toutes mes pastèques, tout ce que j'avais. Et j'ai quand même gagné 50 000 $, donc c'est vraiment pas mal. Au bal top, je suis pas mal aussi. Je suis dans peut-être les pages 30 maintenant. Voilà, les gars, je suis à la 209e personne la plus riche du serve. Voilà, je suis page 42. Franchement, c'est pas mal. Il y a quelques temps, j'étais dans les pages 50-60. Là, je suis remonté 42. Franchement, c'est pas mal. Je vise le top 100, bien sûr, des gens les plus riches sur Palladium. Normalement, ça devrait pas tarder à se faire, parce que je ferme pas mal en ce moment. Donc c'est parti, je ferme mon champ, mon étage de patates, et on se retrouve tout de suite, juste après, je pense, arriver quasi aux 850 000 $. Ça ferait vraiment pas mal. Et bien, écoute, tout le monde, j'ai terminé de miner le premier étage, et voilà ce que ça donne. Je ne pense pas être level 20, j'ai pas regardé, mais je ne pense pas. Non, je suis pas level 20, je suis à 8136 XP. Je devrais normalement arriver à la moitié pour quasi passer level 20, parce que la barre ne se complète jamais, à chaque fois, ça arrête à la moitié. Et ça passe au niveau supérieur. Quoi, ce que j'aimerais bien voir, c'est niveau monnaie. Je suis à 822 000 $. Tout à l'heure, j'étais bal top 42. Si je me trompe pas, maintenant je suis peut-être bal top page 41. Ouais, je suis bal top page 41. Je suis la 204e personne la plus riche. Tout à l'heure, j'étais 209e. Voilà, je remonte petit à petit. Je suis bientôt arrivé au 200e. Même quasi, je vais sûrement les dépasser dans pas mal, dans pas si longtemps que ça. Voilà, les gars, c'était tout pour cette vidéo, les amis. Alors, si vous appuyez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Lâchez un gros like pour m'encourager, tout simplement pour atteindre l'objectif des 275 likes sur cette vidéo. Laissez un commentaire pour dire ce que tu en as pensé. Partagez au maximum de personnes et suis-moi sur Twitter. C'était tout pour moi. Allez, ciao, bye les gens.